enfants. Vive l'Éternel qui a fait les cieux sur la terre. Alors je voudrais vous proposer une lecture dans 2 Timothée, 2e épître. À Timothée, son merveilleux disciple, 2 Timothée chapitre 1, le verset 9. La parole de Dieu. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, ou plutôt une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Je vais relire. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Alors de ce passage et un autre que nous prendrons tout à l'heure, j'ai retenu comme sujet tous appelés par Dieu. Tous appelés par Dieu. Prions le Seigneur. Nos regards se tournent vers toi, notre Dieu, pour te bénir et te louer et te dire combien nous sommes satisfaits de toi. Tu es fidèle, nous l'avons chanté et c'est la vérité. Maintenant, notre Dieu, dans ta fidélité, viens t'adresser à chacun de nous. Adapte ta parole à nos besoins. Adapte ta parole à nos limites. Adapte ta parole à notre besoin de grandir dans la foi. Révèle-toi à chacun de nous. Fais-le, Père, par le Saint-Esprit, dans ta parole, au nom de Jésus-Christ. Père, nous faisons taire toute autre pensée, toute autre voix qui n'assemble pas avec toi. Révèle-toi, contrôle toutes choses. Gouverne-nous, ô Dieu, remplis ce lieu de toi-même. Et nous voulons être comme ces poussins sous les ailes de toi, notre poule. Oui, notre Dieu, viens nous parler au nom puissant de Jésus. Papa, saisis-toi de ma langue. Contrôle mon intelligence. Guide-moi dans la réflexion. Je m'offre à toi afin que tu m'utilises pour l'édification de plusieurs. Qu'il en soit ainsi, Père, et pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Nous l'avons vu le vendredi sur Zoom, que, au fait, dès que nous naissons de nouveau, nous sommes serviteurs. Nous sommes serviteurs. Il n'existe pas de chrétiens serviteurs et de chrétiens non serviteurs. Ça n'existe pas. C'est un mensonge du diable. Dès que tu as l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu en toi vient pour servir Dieu. C'est ça la vérité. Et ici, dans ce passage, nous voyons que les saluts et la vocation sont juxtaposés, sont mis ensemble. Sont mis ensemble. Et les saluts et la vocation. Et les saluts et la vocation sont mis ensemble. Donc, quand nous sommes sauvés, alors nous sommes appelés. Si nous sommes sauvés, d'office, nous sommes appelés. Car Dieu nous a sauvés et aussi nous a appelés, comme nous le voyons dans la parole de Dieu. Le mot utilisé pour cet appel, c'est sainte vocation. Sainte vocation. Sainte vocation. Donc, c'est un appel avant que le monde soit. On n'est pas appelé par accident. On n'est pas un accident, non. Dès que tu es sauvé d'office, tu es appelé par Dieu pour le servir. Donc, en quelque sorte, quand tu es appelé par Dieu, ta vie devient, n'est-ce pas, la vie d'un serviteur, d'une servante de Dieu. Notez, notre qualification, c'est une autre remarque,
Ce n'est pas selon nos talents, selon nos œuvres, nos capacités, non. C'est par la grâce. Le mot grâce est aussi utilisé, n'est-ce pas, dans ces passages, dans la dernière ligne, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Et donc, ce ne sont pas nos capacités, mais la grâce, n'est-ce pas, car la grâce est le travail de mérite. La grâce et les talents, la grâce et les capacités personnelles s'excluent mutuellement. Ce n'est pas ensemble, non, non. Ou c'est la grâce, ou c'est le travail personnel, mais jamais ensemble. Donc, c'est très important de commencer par là, lorsque nous avançons. Maintenant, je voudrais attirer l'attention, en premier lieu, sur quelques conséquences du fait que, quand Dieu nous sauve d'office, il nous appelle. Premièrement, nous notons que la grâce commence là où la capacité humaine s'arrête. Si tu ne peux plus rien faire, la grâce peut prendre la relève. Sinon, il y a un problème de foi. Il y a un problème de foi. Alors pourquoi j'ai dit ça? Au fait, lorsque tu es sauvé, n'est-ce pas, et que tu es enfant de Dieu, tu es avec Dieu, et que tu te trouves dans des situations où tu ne peux plus rien faire, c'est-à-dire tu es bloqué, tu n'as pas de moyens, tu n'es pas capable, tu ne peux pas résoudre les problèmes. C'est à ce moment-là que la grâce de Dieu prend la relève. Tu es bloqué, tu as des problèmes sans solution, qui tirent en longueur. En ce moment-là, la grâce va prendre la relève. Mais si au lieu que la grâce prenne la relève, tu sombres dans le désespoir, tu sombres dans le découragement, en ce moment-là, c'est un problème de foi. Et c'est exactement ce qui se passe avec Jésus et ses disciples. Vous savez que quand Jésus est en train de marcher avec ses disciples, on voit le Seigneur qui interpelle fréquemment ses disciples au sujet de leur foi. Je donne juste un exemple que vous connaissez très bien. Ils sont dans la Galilée. Et tout à coup, il y a des tempêtes. Les vagues commencent à bousculer les vieux petits bateaux, ces barques, et ça commence à bouger de partout. Et alors, pendant qu'ils sont... Parce que vous savez qu'un grand nombre parmi ces disciples-là étaient des anciens pêcheurs de poissons, donc sont des professionnels. Quand il y a la tempête, ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc, quand ils ont commencé à se débrouiller pour arranger les problèmes, et puis tout à coup, ils se disent, mais où est Jésus? Probablement, ils se disaient peut-être que Jésus s'est sauvé. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, mais il dort. Et il les réveille. Il dit, mais Seigneur, ça ne va pas, nous allons mourir. Et le Seigneur se relève, et vous connaissez la suite, calme la tempête, et il s'adresse aux disciples. Où est donc votre foi? Donc, quand les disciples ont atteint la limite, quand ils ne pouvaient plus maîtriser la tempête de la nature et qu'ils étaient en danger, c'était la fin de leur capacité. Leur professionnalisme de pêcheurs de poissons était au bout. Ils ne pouvaient plus rien faire. Leur expertise était au bout. Toutes leurs possibilités étaient épuisées. En ce moment-là, qu'ils auraient tout simplement dit, Seigneur, à toi la relève. Mais non, parce qu'ils n'avaient pas la foi, ils ont commencé à paniquer. Donc, notre panique, nos soucis, nos inquiétudes témoignent de nos limites. Et les limites sont humaines. Tous les hommes sont limités. Même les grands de ce monde sont limités. Tout le monde est limité. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons un avantage. C'est que quand les limites arrivent et que nous ne pouvons plus rien faire, ne sombrons pas dans le désespoir. Ne pleurnichons pas. Ne nous plaignons pas. Ne confessons pas des anathèmes. C'est interdit pour nous. Pourquoi Dieu a interdit cela? Ce n'est pas qu'il soit un dictateur, mais parce qu'il y a des moyens.
Il a donné le moyen par excellence pour poursuivre la route. Et quel est ce moyen par excellence? La grâce. La grâce, c'est qu'on se confie en Dieu. On se confie dans les capacités de Dieu. On se confie dans les capacités inouïes et sans limite de notre Dieu, parce que lui va faire la suite. Il va continuer, n'est-ce pas? Il va poursuivre la route. Alors, j'aimerais bien relire ce passage. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre plan et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Je souligne, pour, avant d'aller plus loin, on parle du dessein de Dieu. Selon le dessein de Dieu, ce dessein de Dieu s'applique en nous, mais c'est quel est le dessein? Le plan, un projet. Nous sommes dans le projet de Dieu. Nous sommes dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a des idées au sujet de notre avenir. Dieu a des idées au sujet de notre présent. Dieu a des idées au sujet de ce qui va nous arriver. Qu'est-ce que nous allons accomplir? Ce que nous ferons, ce qu'on nous fera, ce que nous allons rencontrer, ce que nous subirons. Dieu a des idées là-dessus. Ça s'appelle le dessein de Dieu. Et d'ailleurs, un prophète est revenu là-dessus. Jérémie, n'est-ce pas, chapitre 29, verset 11 et suivant. Je connais les projets, les desseins que j'ai formés sur vous. Desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, chacun de nous est important. Chacun de nous est précieux, très important. Car Dieu a un plan pour notre vie. Mon frère, ma sœur, quelqu'un pour qui Dieu a un plan est un homme important. Vous savez, lorsque nous qui avons vécu dans des pays totalitaires, eh bien, pendant 30 ans, 40 ans, vous n'avez que le seul chef de l'État. Et quand vous apprenez qu'un tel garçon s'appelle et on vous donne son nom, vous allez vérifier. Pour dire, vous voulez-vous dire que c'est vraiment le fils de, le frère de, hein? C'est vraiment ça? Oui, c'est ça. Votre vision sur cet homme change. Pourquoi? Parce que vous dites, c'est quelqu'un de grand. C'est quelqu'un de fort. C'est la même chose pour l'enfant de Dieu. Mon frère, si tu croises un enfant de Dieu quelque part, ne t'inquiète pas trop sur lui. Parce qu'il y a quelqu'un qui a un plan pour sa vie. Et ce quelqu'un-là s'appelle Dieu. C'est Dieu-là qui a créé les cieux et la terre, a un plan pour la vie de chacun de nous. Donc, il y a deux réalités qui sont là. Première réalité, sauver. C'est le plan spécial de Dieu, n'est-ce pas? Un appel spécial, sauver. Mais aussi, ça va s'ajouter notre valeur. Notre valeur. Notre valeur n'est pas en nous-mêmes, mais en celui qui a un plan pour nous. Notre valeur n'est pas en nous-mêmes. Tu peux te voir limité. Tu peux te voir inutile. Tu peux te voir amoindri. Mais ta valeur n'est pas en toi. Ta valeur est dans celui qui t'a créé. Je n'oublierai jamais ces gestes qui nous étaient expliqués simplement par une servante de Dieu un jour et qui a pris un billet de banque et l'a froissé. Et puis a jeté par terre. Et il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait ramasser ça? Trois personnes se sont levées, voulaient aller prendre. Et elle pose la question, pourquoi vouliez-vous prendre? Je l'ai froissé, je l'ai écrasé. Hein? J'ai même jeté par terre et j'ai marché dessus. Pourquoi vous vouliez prendre? Évidemment, ils ont utilisé des mots pour expliquer que froissé, mais n'a pas perdu sa valeur. Parce que la valeur de ce papier-là ne se trouve pas en lui-même. Sa valeur se trouve au gouvernement. Sa valeur se trouve à la banque.
centrale. Sa valeur est là-bas, pas en lui-même. Un papier simple. Un papier simple, qui ne pèse même pas plusieurs grammes. Un papier simple. Et tu peux le froisser, tu peux le jeter. Mais ce papier-là gardera toujours sa valeur. Parce que sa valeur n'est pas en lui, dans sa nature. Sa valeur est détenue quelque part. C'est seulement si tu prends un autre papier que lui, qui lui n'est pas reconnu. Alors en ce moment-là, même si ça semble être identique, mais ça n'aura pas la même valeur. Et c'est comme ça que nous sommes, étant sauvés. Notre valeur est en Dieu. Notre valeur est gardée dans le Seigneur. Vous savez qu'il y a des valeurs qu'on ne peut jamais perdre dans le monde économique. Comme par exemple l'or. Un lingot d'or ne perd jamais sa valeur. On peut diminuer ou faire monter le prix, mais sa valeur reste. C'est la raison pour laquelle on garde des lingots d'or dans des banques pour stabiliser la valeur des trésors de la banque. Parce que certaines monnaies, à cause de certains problèmes que connaissent les nations, peuvent perdre leur valeur. Actuellement, il y a la guerre dans le monde et les pays impliqués dans la guerre, leur monnaie perd sa valeur et c'est fluctuant. Alors nous sommes plus qu'une monnaie, nous sommes de l'or parce que notre valeur est stablement gardée par le Tout-Puissant, n'est-ce pas, à qui nous appartenons. Oui, c'est cela, c'est lui qui a donné de la valeur. En donnant son fils Jésus-Christ pour nous sauver, nous avons acquis cette valeur-là. Et n'acceptez que personne ne puisse te retirer la valeur que Dieu te donne. Dieu te donne sa valeur à lui au travers de Jésus-Christ. Donc Jésus qui souffre à la croix pour toi, pour moi, nous donne une valeur élevée qui correspond à la valeur du Fils de Dieu. En sorte que lorsque tu te tiens là, debout, quand tu fermes les yeux, c'est le ciel qui bouge. Le prince va parler au Tout-Puissant. Quand tu ouvres, quand tu te mets à regarder, je n'oublierai jamais une fois, il y a des moments où Dieu permet qu'une telle chose arrive. J'étais dans un vol en train de revenir sur la Belgique, et en plein vol, il y avait de telles secousses qu'on était très mal à l'aise. Beaucoup de secousses. Et j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à regarder simplement vers Dieu. Et j'avais l'impression que le ciel entier était focalisé sur mon esprit. Au fait, nous attirons l'attention de Dieu à un niveau où nous ne nous en rendons pas compte, parce que notre Dieu est au travail en notre faveur. Notre Dieu est au travail en notre faveur. Désormais, troisièmement, nous sommes toujours dans quelques implications. Désormais, regarde-toi dans le miroir de Dieu. Alors, se regarder dans le miroir, c'est naturel. Mais le miroir de Dieu, vous savez, nous avons tous utilisé des miroirs et jusqu'à présent nous en servons. Et certainement vous avez découvert qu'il y a la définition d'un miroir varie. Il y a des miroirs qui sont plus ajustés que d'autres, surtout quand vous descendez sur un certain terrain. Comme là-bas en Afrique, vous verrez que les miroirs dans toutes les maisons ne sont pas les mêmes. Eh bien, le miroir de Dieu, c'est un miroir qui améliore ton image. C'est un miroir qui garantit le fait que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu n'as pas à t'inquiéter. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 3, que dit la Bible? Dans 2 Corinthiens, chapitre 3,
Le tout dernier verset, le verset 18, nous dit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alors, ce verset, souvent quand nous l'avons lu, nous étions un tout petit peu perdus à cause de l'agencement d'un certain nombre de mots. Mais en réalité, c'est un verset très simple. Il suffit d'être réaliste. Vous savez, la meilleure manière de comprendre la Bible, c'est toujours d'atterrir sur le terrain pratique de la vie. Et vous comprenez clairement. Alors revenons maintenant sur ce texte. Nous tous qui le visage découvert. Donc nous ne portons pas de cagoule, nous ne portons pas de chapeau, nous ne portons rien du tout. Donc nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Quand tu regardes dans un miroir, qu'est-ce que tu vois là? Tu ne verras pas le visage de quelqu'un d'autre. Tu vois ton visage. C'est ton visage que tu vois là-dedans. Et qu'est-ce que la Bible dit de ce visage-là que tu vois dans le miroir? La gloire du Seigneur. Quand tu as le salut, tu vois la gloire du Seigneur. Tu vois la gloire du Seigneur. Au fait, et quel est ce miroir? Mais c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que si tu te regardes d'après toutes les promesses que Dieu a faites à ta vie, c'est ça ton vrai toi. C'est ça ton vrai visage. C'est comme ça que Dieu te voit et c'est comme ça que tu dois te voir. Et quand tu te vois régulièrement de cette manière-là, qu'est-ce qui va arriver? Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de gloire en gloire. Tu vas apprécier l'œuvre du Seigneur, l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui est en nous, qui parfait, qui fait progresser ce travail de Dieu dans notre vie. Ça nous transforme. Ça nous transforme. Et vous verrez que nous serons de plus en plus transformés au fur et à mesure que nous acceptons que les paroles de notre roi nous influencent, nous marquent et nous touchent. Nous pouvons aller un peu plus loin, n'est-ce pas, dans Éphésiens, au chapitre 2, que dit l'Écriture? Dans Éphésiens, au chapitre 2, à partir du verset 8, l'Écriture, nous irons jusqu'au verset 10. Et vous connaissez ce verset, n'est-ce pas? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Avez-vous remarqué les conséquences de l'appel, de la vocation? Dieu a préparé quoi? Des œuvres que nous devons accomplir. Des œuvres que nous devons accomplir. Mon frère, ma sœur, tu es assujetti à un travail. Dieu a un travail pour toi. Un travail. Plusieurs qui pensent être chrétiens ne comprennent peut-être pas l'évangile. Et quand on ne comprend pas l'évangile, on ne peut malheureusement pas y croire. Quand tu donnes ta vie à Jésus, par la foi, tu te donnes à lui, tu lui parles, comme tu parles de la meilleure manière possible. Tu parles, ton cœur vraiment parle à Dieu pour lui dire, je me donne totalement à toi. Je reconnais que Jésus a tout fait pour moi. Je t'appartiens désormais. Quand tu te donnes totalement au Sauveur, alors quand son salut entre en toi, il est gratuit. Il est gratuit. Au fait, tu es sauvé sans que tu le mérites. Tu es sauvé, tu es là, tout simplement sauvé. Sauvé. Une nouvelle créature. Tu n'en feras même pas de débat. Tu auras la certitude, tu auras l'assurance. Tu auras une confiance totale
dans l'œuvre accomplie par Jésus. Et vous savez, il y a certaines personnes pour qui je pourrais dire Dieu les éclairera. Parce que ce salut-là, je me permets de citer le nom de mon propre père. Je ne parle pas de père spirituel, je parle de papa biologique. C'était un merveilleux frère en Christ. Une fois que j'avais reçu Jésus, je suis venu avec la détermination. On ne m'en a pas parlé. J'ai tout simplement, c'était la première conviction. J'ai dit, ah, mais on peut être dans l'église sans être sauvé. J'ai pris conscience qu'au fait, on peut fréquenter l'église sans être sauvé. C'était la première lumière que j'ai reçue de Dieu, une fois sauvé. Parce que j'étais dans l'église depuis l'enfance. Je n'ai joué que dans l'église. Hein? Moi, au fait, les toboggans, nous, c'était les bancs de l'église. Parce que mon grand-père était serviteur de Dieu. Mon père était serviteur de Dieu. Donc, au fait, nous, église, c'est l'église. C'est chez nous. Et je n'ai vécu que comme ça. Mais jamais sauvé. Et maintenant, je venais de recevoir Jésus-Christ. J'ai dit, oh là là! Et très vite, dès la première occasion, le week-end, je suis rentré au village dans le but d'aller convaincre mon père et ma mère de donner leur vie à Jésus-Christ. Quand je suis arrivé, je me suis d'abord endormi, j'ai prié, Seigneur, parle à mes parents. Je veux qu'ils aillent au ciel avec moi. Et le matin, je me suis réveillé, j'ai vu papa sortir. Direct, j'ai attaqué. Papa, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Toi aussi, tu peux donner ta vie à Jésus-Christ. Je m'attendais à ce qu'il soit bousculé, qu'il soit un peu comme perdre un peu l'équilibre. Il était tout calme, paisible, comme il a toujours été. Et il m'a regardé, il a dit, « Ah, enfin, tu l'as rencontré. Je l'ai fait il y a longtemps. C'est la raison pour laquelle j'avais quitté les ports pour venir à l'Institut. » Au fait, papa fait partie des maçons qui ont travaillé pour la construction du port de Matadi. C'est eux, donc, il m'a toujours raconté les histoires qui se passaient sous l'eau, là, hein, parce qu'ils descendaient là-bas avec des seaux de béton pour descendre là-bas. C'est eux qui ont construit ça. Il a dit, c'est la raison pour laquelle, quand il m'a sauvé, j'ai abandonné le port pour venir à l'Institut et me former au ministère, parce que j'étais appelé. Au fait, déjà à cette époque, je constate que mon père, une fois il est sauvé, il se sait appelé. Il se sait, il est convaincu qu'il ne peut plus, dans son cas, servir les bétons, qu'il doit maintenant aller servir les hommes. Et il a vécu comme ça toute sa vie. Toute sa vie. Nous allions de village en village. Et j'ai vu de mes yeux, quand nous quittions un village pour un autre, parce que là-bas, il y a les affectations. Eh bien, quand on était affecté dans un autre village, oh que j'avais pitié. Parce que je voyais de mes yeux des mamans et des papas qui pleuraient de voir Tata Longue Pierre qui s'en va. Ils pleuraient. Et lui leur disait, non, un autre va venir. Et il répondait, ça ne sera pas la même chose. Mais non, ne vous en faites pas, Dieu est Dieu. Un autre va venir. Et on devrait partir, on devrait obéir. On devrait partir. Et nous sommes partis d'un village, c'est comme ça que j'ai connu un bon nombre de villages. Et quand nous arrivions, quelle fête? Quelle fête? Quelle fête? C'est comme si on nous attendait. Mon père. Et il y a une chose que j'ai notée alors, c'est que mon père, en ayant l'Esprit de Dieu en lui, étant véritablement né de nouveau, parce que vous savez que dans nos communautés d'église, tout se croise. Et ceux qui y sont par tradition, et ceux qui y sont par conversion, tout se croise. Ce qui fait qu'il est difficile de savoir où tu es, qu'est-ce qui se passe. Et c'est là le risque, c'est là le problème. Si le Seigneur me donne
l'occasion d'aller encore offrir peut-être un travail de l'évangile, je m'intéresserai beaucoup à ce qu'on appelle le recyclage des serviteurs de Dieu. En fait, ce que j'appelle, moi, ça n'existe peut-être pas, mais c'est un grand besoin. Le recyclage des serviteurs de Dieu. Vous savez, on le fait dans l'enseignement secondaire, même à l'université. Quand j'étais en train d'enseigner à l'école supérieure, nous avions des recyclages, des gens de méthodes, donc venaient avec de nouvelles méthodologies pour nous expliquer comment donner cours en ces temps modernes, comment interroger les étudiants pour atteindre le maximum possible de leur compréhension de matière, de leur maîtrise de matière, et ainsi de suite, l'évolution de la science pendant notre génération dans le cadre du projet Bologne. Voilà, BAM, Bachelor and Master, ainsi de suite. Je pense que c'est un besoin pour les serviteurs de Dieu des églises. Parce que si un serviteur de Dieu n'est pas né de nouveau, vous imaginez que l'église deviendra simplement un centre de récréation. Il sera capable de créativité, vous savez. Quand quelqu'un a été à la faculté de théologie ou à l'école de théologie, a été formé, il est capable de vous entretenir. Il sait quoi vous dire, il a la suite dans les idées. Mais il peut ou ne pas être avec l'Esprit de Dieu. Et c'est ça le danger. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il ne suffit pas d'entendre une cloche quelque part où on prie et tu dis, ah, là aussi on prie. Non! Ça fait... Maintenant, vous commencez à être avertis, vous qui êtes dans l'Église depuis un bon nombre d'années, que les églises là que vous voyez ont leurs histoires. Elles ont leurs histoires. Comment elles sont nées? Comment elles ont commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça. Elles ont leurs histoires. Dieu éclairera. Dieu éclaire tous ceux qui se confient en lui. Ceux qui comprennent donc se convertissent et vivent la vie nouvelle donnée par Dieu. Car ce sont des frères et des sœurs en Christ. La chose à laquelle nous devons veiller, et il faut prier toujours que le Seigneur nous éclaire. Refuser de croire que tu es sauvé quand tu ne l'es pas. Que Dieu t'aide à avoir les yeux ouverts pour comprendre. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai vécu moi. La vie, une sorte de tradition chrétienne, sans être de nouveau. Sans une histoire avec Dieu. Une histoire localisable dans le temps. Quel jour j'ai capitulé. Comme disait Billy Graham, quel jour je me suis livré totalement à ce sauveur, car tout doit partir de là. Nous sommes recréés en Christ pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance, créés en Jésus-Christ. Et le mot qui est utilisé, notez, le mot qui est utilisé pour nous sommes créés en Jésus-Christ, ce n'est pas bara. Hein, l'hébreu, donc à partir de rien, créé à partir de rien, créé à partir de la poussière, bara, hein, non. C'est le mot qui est utilisé, c'est poema. Poema qui veut dire chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre de l'architecte. Chef-d'œuvre. C'est comme l'œuvre de Michel-Ange, de Picasso. Chef-d'œuvre. Quand on parle de créer en Jésus-Christ, eh bien, c'est le chef-d'œuvre de Dieu accompli. Une œuvre incomparable, une œuvre merveilleuse. Parce que le génie qu'il y a dans le salut, mes frères et sœurs, tu peux entrer dans toute la théologie et sortir. Tu ne pourras jamais comprendre cela. C'est un mystère d'un degré élevé. Comment Dieu peut? Vous savez, il y a des hommes et des femmes au caractère démoniaque, satanique, et habitués à mal faire.
mal parler, mal penser, mal agir, toute leur vie. Et puis ils rencontrent le Sauveur. Saisis simplement par une pensée. Dans certains cas, c'est simplement une parole très courte. Vous avez suivi? Dans Jean chapitre 1, Jésus dit, suis-moi. Il est sauvé. Vous savez que je l'ai vécu. Je l'ai vécu littéralement. Je l'ai vécu. Il y a un garçon qui se trouve là-bas aux États-Unis. Si vous avez entendu parler de lui, c'est un frère assez connu. Un frère assez connu, à une époque donnée, il était l'un des leaders de la société biblique au Congo. On l'appelle Chisso Joël. En fait, ce n'est pas son vrai nom. Il avait joué une pièce de théâtre dans laquelle on l'a appelé Joël. Et bon, c'est parti. Chisso Joël aux États-Unis. Ce frère, ce garçon, puisque maintenant je parle de lui comme ce garçon que je vois, j'étais à la procure de frères autour de la paroisse catholique à Kitambo, en train d'étudier, c'était les examens d'État. Et alors j'étais là en train d'étudier. Et puis j'ai vu un garçon qui lui aussi était en train d'étudier. Tout le monde était parti. Nous étions presque vers la fin. La lumière était de plus en plus imperceptible. Et au moment de partir, une pensée très claire est venue dans mon esprit. Et je suis allé, je lui ai dit, je connais le temple protestant. Là où se trouve le terrain de basket. Ah oui, 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 oui. Chaque samedi à 15h, il viendra là-bas. Et je suis parti. Je n'ai même pas attendu sa réponse. Je suis parti. Nous arrivons samedi à 15h, je vois à la porte sa tête en train de regarder. Et je lui dis, entre. Et il est entré pour toujours. Il deviendra, n'est-ce pas, le directeur de la société biblique pour l'Afrique centrale. C'est parti, Dieu l'a transformé. C'est mon enfant dans la foi. On ne citera pas tous les autres, ce n'est pas important, mais c'est pour dire jusqu'à quel point l'Évangile a un tel pouvoir. C'est pourquoi la Bible dit l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Quand tu regardes, tu dis, mais ce n'est pas possible. Comment on a été transformé à ce point? Comment on a été transformé? Comment on a... J'ai toujours parfois dérangé une sœur parmi nous, puisqu'elle est la seule qui m'a vu païen. Elle est la seule qui m'a vu païen. Donc, si vous voulez savoir qui bout tout païen, posez-lui la question. Aujourd'hui, je ne citerai pas son nom pour ne pas la déranger. J'ai assez cité son nom dans l'histoire. Donc, et l'Évangile est venu et m'a transformé. Tu ne deviens pas parfait, mais tu sais toi-même. Tu es le premier témoin de toi-même. Ne compte pas sur les autres pour qu'ils disent que tu es, oh là là, tu es magnifique. Non, 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 non. Il y a même ceux qui ne verront pas la gloire de Dieu qui est sur toi. C'est pourquoi Dieu dit quoi? Nous regardons quoi? Et qu'est-ce que nous allons découvrir? La gloire du Seigneur. C'est nous-mêmes qui devons regarder. Il n'y a personne qui regarde dans un miroir et te voit toi. Il se voit lui. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi, au fait, on ne se bat pas pour avoir ce salut-là. C'est simplement découvrir et recevoir ce que Dieu a préparé pour nous. Recevoir. Et dans la vocation, eh bien, Dieu nous donnera aussi les choses qui viennent de lui. Alors parlons-en. Deuxième lieu, la vocation. Cette sainte vocation dont il est question dans ce passage. Il y a des hommes et des femmes nés de nouveau, mais qui veulent faire de bonnes choses pour leur Dieu. Ils pensent cela eux-mêmes, ils veulent le faire, ils disent, je suis capable de faire ceci et cela, et je vais le faire pour Dieu. Ils ont l'ambition pour eux-mêmes, ils veulent accomplir leur travail et leur œuvre. C'est dans leur catégorie que je trouve certains hommes et femmes
qui sont peut-être capables de quitter les églises pour aller faire leurs propres œuvres. Au fait, ce sont des gens qui ont une ambition. Vous savez, avoir une ambition, ce n'est pas mauvais sur le plan humain. Ils ont une ambition et ils disent, moi, je peux faire quelque chose pour Dieu. Je peux faire quelque chose pour Dieu. Des frères merveilleux. Et ils vont pour faire quelque chose pour Dieu. Mais il y a d'autres qui attendent que Dieu leur parle. Et ils obéissent aux convictions que Dieu leur donne. Ils attendent. Ils attendent. Vous avez tous entendu parler de David Livingstone. David Livingstone est un médecin britannique. Et ce qu'on n'a jamais su, en fait, de façon connue, c'est que son frère aussi était médecin. En fait, ils ont fait les études de médecine à deux, dans leur famille. Et ils ont tous deux terminé les études de médecine. Et alors, David Livingstone dit aux membres de famille, écoutez, le Seigneur m'appelle. Je dois aller en Afrique. Je dis, Afrique ? Et on raconte que c'est dangereux là-bas. Oui, mais Dieu me dit que je dois aller en Afrique. Il m'a sauvé pour ça. Je dois aller là-bas. Et son frère qui réagit en disant la phrase devenue célèbre dans son milieu. Moi, je veux faire de ma vie un nom pour la gloire de Dieu. Vous voyez deux chrétiens, deux médecins, de surcroît de la même famille de Livingstone, mais il y en a un qui dit Dieu m'a parlé et je veux faire ce que Dieu m'a dit de faire. Et il y en a un autre qui dit moi, je veux me faire un nom pour la gloire de Dieu. Son ambition, il va travailler dur comme médecin pour qu'il puisse atteindre une sommité qui glorifie Dieu. Et puis l'histoire et les années se sont poursuivies. Et qu'est-ce qu'on découvre quand on lit dans les biographies qui parlent des grands hommes de l'histoire? David Livingstone, David Livingstone, David Livingstone. Et pourtant, la direction qu'il avait prise n'est pas une direction très populaire. Ce n'est pas une direction où on écrit suffisamment de livres sur les gens qui vont là-bas, surtout à son époque. Mais curieusement, David Livingstone, David Livingstone, des rois l'ont cité, des princes l'ont cité, des grands les anthropologues, les sociologues, les historiens ont cité son nom. Et même dans l'école, dans les facultés de théologie, son nom est cité parmi les grands revivalistes, David Livingstone. Mais quand vous découvrez par hasard le nom de son frère qui voulait se faire un nom à la gloire de Dieu, c'est une ligne. Et on ne cite même pas son nom. On dit David Livingstone avait un frère qui était aussi médecin. Donc on ne cite même pas le nom de celui qui voulait se faire un nom. C'est pour dire jusqu'à quel point le plan de Dieu est préférable. La vocation sainte, c'est cela qui fait l'avenir, n'est-ce pas, du peuple de Dieu. C'est de cette manière, l'élévation bien-aimée est accordée et donnée par le roi des rois lui-même. Dieu a un plan pour chaque vie, mais nous sommes libres de nous lancer à notre propre compte. Si nous acceptons le plan de Dieu, à la fin, nous serons conscients d'une vie pleine de richesses. D'une vie pleine de richesses. Notons une chose suivante. Comment répondre à la sainte convocation? Je vais terminer par là. Comment répondre à la sainte convocation? Pour cela, je vous propose un dernier passage que nous trouvons dans Romains chapitre 12. Romains au chapitre 12, à partir du 1er jusqu'au 8e verset. Je vais les lire assez rapidement. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons deux dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Pleine d'occasion, n'est-ce pas, de répondre à Dieu dans la vocation. Est-ce notre propre voie que nous allons suivre, comme le frère de David Livingstone, ou nous allons nous attendre à ce que Dieu nous envoie? Eh bien, notez une première chose que nous trouvons dans ce passage. Si tu veux répondre à cette sainte vocation, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Place ton corps sur l'autel de Dieu comme un sacrifice vivant. Pourquoi un sacrifice vivant? Pourquoi un sacrifice vivant? Premièrement, historique, c'est par rapport aux anciens sacrifices. Les Hébreux, avant d'offrir un animal en sacrifice, ils commençaient par l'égorger, les tuer. Donc, c'était des sacrifices morts. Au moment où on est en train de les brûler, il ne sent pas la chaleur parce qu'il est déjà tué. C'est sacrifice vivant. Mais ici, en deuxième lieu, sacrifice vivant parce que ça coûte. Ça coûte la fin du mois. Ça coûte la fin des libertés. Ça coûte la fin de ne plus faire comme tu as toujours fait, de ne plus parler comme tu as toujours parlé, de ne plus penser comme tu as toujours pensé, de ne plus faire comme tu as toujours fait. C'est par là que commence la réponse à cette vocation. Le salut, quand il vient d'office, tu es appelé, mais maintenant, pour répondre, numéro un, t'offrir un sacrifice vivant. Notez, ce que tu fais de ton corps, mon frère, ma sœur, est déterminant pour la sorte de vie que tu mèneras. Ce que tu fais de ton corps. Le corps, comme nous l'avons vu au Zoom, c'est un instrument. C'est un instrument. Vous savez, nous, les Congolais, nous aimons beaucoup les instruments, n'est-ce pas? Quand on dit les instruments, ça veut dire les baffles, les guitares et tout ça. Eh bien, c'est un instrument pour glorifier Dieu ou pas. Notre part, c'est nous placer dans le feu de l'autel pour permettre à Dieu. Dieu, par sa grâce, te sauve par le sang de Jésus. Mais toi, tu vas te placer dans le feu de l'autel en y brûlant ta volonté, en y brûlant tes choix, en y brûlant tes ambitions, en y brûlant ta folie pour permettre à Dieu de parachever son travail de te sanctifier. Christ l'a fait. Il est allé à la croix. Il s'est libéré de toutes ses gloires, de tous ses privilèges. Il avait le corps humain qui fait mal. Il a crié, mon père, pourquoi tellement la douleur était là. Il s'est offert un sacrifice. Et d'ailleurs, comme nous le trouvons dans la parole de Dieu, il y a les croix, n'est-ce pas? Portez votre croix. Ça s'adresse aux hommes. Eh bien, j'ai parlé de petites croix. Dieu, Jésus a porté la croix véritable. Et nous portons, n'est-ce pas, des petites croix. Des petites croix, c'est-à-dire, nous nous offrons un sacrifice. L'autel, bien-aimé, le feu de l'autel sanctifie les sacrifices. L'autel sanctifie les
les sacrifices. Deuxièmement, notez, ton sacrifice, le sacrifice de ton corps sera accepté par Dieu. Comment tu le feras alors pour que ton corps soit accepté, ou ton sacrifice soit accepté par Dieu? Je t'offre mon corps. Je t'offre, toi, tu lui parles, je t'offre mon corps. Il n'est plus à moi, il est à toi, Seigneur, pour toujours. Je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Bien-aimé, il y a un homme de Dieu dont a parlé l'histoire de réveil, bien connu, Charles Finney. Pas Charles Spurgeon, mais Charles Finney. Charles Finney, c'était un grand revivaliste. Et un grand intellectuel, un universitaire. C'est pourquoi ses livres étaient assez châtiés, sa langue. Mais voici un principe de sa vie. Chaque fois qu'il constatait que la chair commençait à prendre le dessus, il devient nerveux, il commence à mal parler, il commence à mal réfléchir, il a l'impression qu'il se décourage trop vite, il constate que la chair a pris du poids. Alors, il s'enferme 3 jours, sans plus voir les hommes et les femmes créés à l'image de Dieu, pour offrir son corps au sacrifice, à l'autel de Christ, pour s'offrir. Et quand il s'est offert suffisamment à Christ, qu'il s'est senti brisé, enfin il sortait à nouveau pour venir vivre et continuer la vie avec les frères et avec les sœurs. Offrir son corps en sacrifice. Troisièmement, le changement de mentalité. On en parle dans ce texte. Que dit la Bible? Hein? Verset 2, n'est-ce pas? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que de quoi on sera capable de discerner quelle est la volonté de Dieu. Le changement de mentalité. Mais d'où vient le changement de mentalité? Lire, méditer, mémoriser, s'efforcer à pratiquer la parole. C'est ça le travail de la parole. Ça change notre mentalité. Mes frères et sœurs, vous savez, tout en boc, nous venons de village, village. Mais le problème, c'est que si nous ne nous laissons pas transformés par le renouvellement de l'intelligence, nos histoires du village, nos histoires de chez nous, nos histoires d'autrefois vont nous accompagner même à l'intérieur de l'œuvre de Dieu. C'est par la parole que la transformation va s'opérer. Vous savez, quand vous croisez des gens qui ne parlent pas trop, mais quand ils agissent, vous voyez qu'il y a l'harmonie, il y a un secret en eux. Ce n'est pas qu'ils sont nés comme ça, mais ils ont acquis les outils de transformation de leur existence. Le renouvellement de la mentalité facilite le discernement, facilite comment comprendre ce que Dieu veut faire. Je rends témoignage. Vous me connaissez. J'ai étudié, docteur en théologie, mais ce que je n'ai pas toujours dit, c'est que docteur en théologie dans le domaine de l'Église. C'est-à-dire, je suis expert en tout ce qui touche l'Église. Comment l'implanter, comment la développer, comment l'organiser, comment créer les doctrines, comment créer les activités. Tout ça, c'est ce que j'ai étudié et produit une thèse de 365 pages défendue devant 30 spécialistes d'Europe. Avec un diplôme. Et j'ai enseigné pendant 10 ans ces matières. Donc, c'est maîtrisé. Mais je ne peux pas oser me mettre à, comment on dit, improviser des choses telles qu'elles viennent dans la tête. Il faut effacer tout ça et être attentif pour discerner quelle est la volonté de Dieu maintenant. Quelle est la volonté de Dieu maintenant? Quelle est la volonté de Dieu maintenant? Ils sont nombreux qui ne me croiront jamais, et je bénis l'Éternel pour ça. Mais dans mon cœur habite une conviction,
je vais faire très court, qui m'habite et que, dont je suis incapable de me défaire. Lorsque nous avons perdu notre ancien temple et que nous pouvions prendre une autre salle pour continuer les cultes, on devrait le faire. Mais dans mon cœur, j'étais comme retenu. Nous étions au mois de janvier 2020. Retenu. J'ai dit, on doit attendre. On doit prier, on doit attendre. Et en février, COVID. En sorte que le COVID ne nous a pas atteints, rassemblés. Nous n'avons pas connu ce qu'on appelle le cluster. Mais d'autres l'ont connu. Mais nous, nous étions épargnés. Ma conviction personnelle, c'est que c'était le stop de Dieu pour dire, attendez. Avec le même prix, on pouvait prendre vite, vite une salle quelque part et nous retrouver. Les informations que j'ai eues, sans effort, qui ont commencé à venir, en ce moment-là, 5 personnes avaient le COVID dans l'église. 5, et je peux les citer. Je ne les citerai pas. 5 avaient le COVID. Mais nous ne nous sommes pas rassemblés pour que nous puissions mettre les bitotos de ces contaminations ensemble. Merci Seigneur. Donc, ce qui fait que quand la mentalité change, j'ai la mentalité d'un théologien, mais il fallait exposer cette mentalité à l'Évangile, au Saint-Esprit, pour qu'elle change, afin que nous cessions de nous écouter nous-mêmes, écouter nos capacités, mais que nous puissions écouter quelle est la volonté de Dieu. Quel est le plan de Dieu? Quand tu te trouves dans des situations impossibles, tu es dans le droit de lui offrir ces situations exactement comme tu lui as offert ton corps au sacrifice. Quand tu te retrouveras, parce que tu as offert ton corps en sacrifice à Dieu, parce que tu t'es offert à lui, tu acquiers un droit. Quel droit? Quand tu seras dans des situations compliquées qui te dépassent, tu seras dans le droit, comme tu l'as fait pour ton corps, de lui offrir aussi ces situations. Pour lui dire, Seigneur, prends ces situations, résous-les pour moi. J'ai besoin de ta solution. J'ai besoin de ta puissance au travail de ces problèmes. Résous-les-moi. Occupe-toi de tous ces problèmes. Et il les fera. Il les fera. Amen. Il les fera. Il le fera certainement. Je ne sais pas quoi faire, mais prends la charge de cette situation. Et toi, tu attends et tu verras la gloire de Dieu. Comme dit, n'est-ce pas Moïse, que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus pour vous, vous ne les verrez plus jamais, car l'Éternel combattra pour vous. C'est-à-dire que l'Éternel prendra en charge ces Égyptiens qui sont autour de toi. Que ferons-nous dans la suite des temps? Mais Seigneur, je voyage, prépare là où je vais dormir. Choisis le lieu, le lit. Choisis les circonstances. Choisis les gens que je peux voir. Et écarte de mon chemin ce que je ne dois pas voir. Occupe-toi de toutes les situations qui concernent ma vie. De quoi avril sera fait? De quoi mai, juin, juillet seront faits? Eh bien, tu les lui offres. Tu vas dépendre de lui. Tes prières seront des préparations de terrain avec Dieu. Au fait, tu seras devenu homme de Dieu. Homme de Dieu. Tu ne dépendras plus de toi-même. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des épreuves. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des situations compliquées. Mais je vais vous dire une chose. Il y a une grande différence entre une situation compliquée sans le secours de Dieu et une situation compliquée avec le secours de Dieu. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Il y a des gens qui n'étaient... Vous l'avez vécu dans votre vie, mes frères et sœurs, qu'il y a des gens que vous n'avez plus vu depuis longtemps, tout à coup vous les voyez, mais quand vous les voyez, quelque chose se produit. Et tu comprends que, ah, il y a Dieu qui est en train de préparer des affaires ici. Dieu est au travail et c'est lui qui prépare les affaires. Dieu m'a dit
il y a certains. Sur leur vie, il y a une couverture de sécurité. Alors que ces mêmes personnes se trouvent dans le plan mortel de Satan. Mais il y a une couverture de sécurité que Dieu a placée sur eux parce qu'ils offrent leur vie en sacrifice à l'autel de la croix. Mais les temps difficiles sont capables parfois d'amener quelqu'un à se dire « Ah, laisse-moi un peu vivre comme tout le monde. » On le fait presque pour voir un peu par curiosité, sauf que la conséquence, c'est quoi? La couverture fait quoi? Se retire. Et dès que la couverture se retire, les tireurs embusqués peuvent voir et il peut accomplir ce que Satan a prévu depuis longtemps. Depuis longtemps. En d'autres termes, mon frère, ma sœur, s'offrir en sacrifice à Dieu peut aussi devenir une question de vie ou de mort. La vie indépendante, la vie comme je veux, la vie ambitieuse semble agréable parce qu'elle correspond à ce que nous aimons. J'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Mais n'oublions pas que le sacrifice, en s'offrant à Christ, il y a la couverture, la sécurité. Si tu ne t'offres pas, la sécurité se retire et le danger est imminent. Le corps de Christ est cité dans ce passage, dans la suite. Que celui qui a tel don, que celui qui a tel autre don, et ainsi de suite. Vous avez remarqué que celui qui a, on n'a pas dit que celui qui veut, mais celui qui a, c'est-à-dire qui a reçu de la part de Dieu. Je crois sincèrement que le travail de l'Église, c'est surtout à la direction, c'est de prier pour que Dieu émerge dans les convictions, les capacités des frères et des sœurs, afin que le plus grand nombre possible serve le Seigneur. Mais ne pas courir, parce que dans certains cas, vous savez, la seule chose que je regrette, c'est que je n'ai pas fait le 100% par rapport au discernement. Je n'oublierai jamais un jour, j'ai dit à quelqu'un sur la planète Terre qui me parlait des besoins de prendre plus de responsabilités dans l'œuvre de Dieu. Et je lui ai dit, sais-tu, dans certains cas, la prise de responsabilité dans une église s'apparente à la sortie. Il y a longtemps. Et je l'ai dit sans jamais l'avoir dit auparavant. C'est ce qu'on appelle parfois prophétique. Et malheureusement, dans certains cas, cela peut se révéler vrai, malheureusement. C'est la raison pour laquelle on se repose sur ce que Dieu. Quand tu as ce que tu as reçu, prie. Et puis tu verras que le Seigneur suscite l'attention des autres. Suscite l'attention des autres qui te diront, mon frère, parfois même des frères de qui tu ne peux rien attendre. Vous savez qu'il y a des frères qui ne sont pas encore connus, entre guillemets, et qui sont capables de venir te dire, mais tiens, ce que tu as fait là, oh là là. Vous savez, moi j'étais profondément édifié, je ne veux pas en faire une pratique immédiate, mais j'étais très édifié quand certaines personnes non habituées à chanter devant la foule ont chanté. J'étais très étonné. J'ai dit, oh, mais il y a quelque chose là-bas. Vous savez, quand vous avez un don de Dieu, une grâce de Dieu, n'étouffe pas, n'écrase pas. Dans certains cas, il faut simplement annoncer. Vous savez, dans le cas de David,
David n'est pas venu sagement, intelligemment, assis, donne le pain à ses frères qui étaient au combat contre Goliath. Non. Dans son cas, il s'est annoncé tout simplement. Il ne s'est pas imposé. Il a dit, voici un jour, j'étais dans telle situation, voici dans telle autre situation. Et cela a attiré l'attention des serviteurs pour dire, ah, on peut faire ceci, on peut faire cela. J'aime quand l'Église est à ce niveau, en attendant que la foule arrive. Parce que la foule viendra. Si elle ne vient pas pendant ma génération, elle viendra pendant votre génération. Cela ne fait aucun doute. Quand l'œuvre de Dieu est faite à la manière de Dieu, elle attire toujours la confiance des peuples. C'est sûr à 100%. La Bible parle de mon Sion. Des foules viendront de toute la terre pour monter à Sion. Et c'est là où on parle des psaumes de regret, où les gens montent venant en pèlerinage. Quand il y a Dieu, les gens viennent pour Dieu. Quand il y a la bénédiction, les gens viennent pour leur bénédiction. Quand il y a le salut, les gens viennent pour leur salut. C'est tout simplement qu'il faut être patient parce que quand tu ensemences les haricots ce matin, n'attends pas à 16 heures pour aller prendre les haricots. Il faut attendre, c'est tout. Et cette attente-là, ça doit se passer dans la foi pour qu'on n'en souffre pas. Parce que dit la Bible au sujet de la première église, l'église primitive? Et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église. C'est le Seigneur qui ajoute. C'est le Seigneur qui ajoute. C'est lui qui va appeler pour leur bonheur. Pas pour nous enrichir. Pas pour nous rendre confortables que ça marche. Mais pour leur bonheur. Au fait, l'Église doit grandir du bonheur de ceux qui viennent. Pas sucer ceux qui viennent, mais grandir de leur bonheur. Chacun de nous, une vocation est sur chacun de nous. La question, voulons-nous nous placer sur l'autel? Bien-aimés, savez-vous, dans la vocation des enfants de Dieu, je termine par cette ligne, l'Église devient le GPS. Le GPS pour les enfants de Dieu. Parce que ça clarifie ton voyage spirituel. Ça clarifie ton progrès dans la foi. Ça t'équipe. Ça te donne ce que tu ne savais pas. Frère, quand tu viens dans l'Église, une des choses, quand tu es vraiment dans un lieu où Dieu te veut, une des caractéristiques immanquables, tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. C'est comme ça. Prions le Seigneur. Maître du ciel et de la terre, merci pour ta parole que tu envoies dans nos cœurs pour nous affermir, pour nous fortifier, pour faire de nous des hommes et des femmes aguerris, équipés pour des victoires. Papa, tu as lié le salut et la vocation, la sainte vocation. Par le salut, tu as produit un chef-d'œuvre et par la sainte vocation, tu nous donnes des opportunités de te servir d'après ton plan, mais aussi l'opportunité d'être sécurisé, d'être protégé par une couverture de sécurité. Tout ce que tu attends, c'est que ton fils et ta fille s'offrent en sacrifice à l'autel de ta croix pour là-bas briser sa propre volonté, briser ses préférences, briser ses ambitions. Briser son moi. Père, merci pour cette lumière que tu envoies dans nos cœurs, cette grâce que tu nous fais aujourd'hui de pouvoir être équipés pour un long voyage. Oh, quelle grâce de nous retrouver là où il faut, afin que, équipés, nous puissions avancer avec toi. Rudy Gaz,
numéro 83, à Laeken, Bruxelles. Papa, tu nous donnes un lieu pour venir manger, pour venir nous nourrir chaque dimanche 10 heures, afin que nous puissions avancer avec toi. Papa, poursuis ta mission, poursuis-la et achève-la dans nos cœurs et dans les cœurs de nous tous. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi, Papa, en ce moment, à cet instant, je fais un appel à ton peuple de partout, en commençant par ceux qui me suivent maintenant, qui sont là devant moi, à s'offrir en sacrifice, à pouvoir te dire, je m'offre à toi. Je laisse tomber mon moi et je m'offre à toi. Que ta volonté soit faite dans ma vie, toute ma vie. J'accepte ce changement, cette révolution, cette transformation qu'apporte le Seigneur l'Esprit. Je voudrais me murer, regarder dans ce miroir que ta parole, pour que j'y découvre ta gloire qui repose sur moi, afin que je puisse revenir, répéter, contempler à nouveau cette gloire, afin que cette gloire me transforme au jour le jour, de gloire en gloire. Papa, merci pour ce travail que tu vas poursuivre dans la suite des temps et nous te réserverons toute la gloire, car finalement, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de notre foi, cela ne vient pas de nous, de l'homme, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par ce que nous savons faire, mais c'est par ta grâce. Merci Père, parce que tu as tout préparé. Des œuvres que tu as préparées d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. Qu'il en soit ainsi Père, pour notre bonheur et pour la gloire de ton nom et le bonheur de plusieurs. Au nom puissant de Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre sauveur et libérateur. Amen et amen.